toujours vécu avec le fait que la musique que je faisais était critiquée. Pas mal comprise, mais marginalisée, simplement parce qu'elle rentrait pas dans un moule et elle rentrait pas dans un mouvement non plus, dans une mode. J'ai jamais été à la mode, moi. C'est pas du tout quelque chose que je regrette, au contraire, c'est quelque chose que je revendique totalement. Sa propre histoire avec la musique de Jean-Michel, parce que forcément c'est ancré dans chaque personne. C'est un des seuls artistes français qui est connu sur la planète complète. On devrait être fier d'avoir un artiste qui se produit à l'étranger, il y en a très peu. C'est un poète. Souvent, il y a eu des artistes français qui ont ponctuellement un succès dans un pays, deux pays, en Hollande, en Suède. Mais lui, c'est vraiment tous les pays d'Europe. Intéressant depuis le début de la tournée, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'un concert qui n'était pas du tout au départ prévu pour tourner, puisque quand j'ai commencé les dates au théâtre de Marigny, c'était plutôt une sorte de showcase à l'occasion de la sortie de l'album et de la nouvelle version d'Oxygène. Par rapport aux réactions du public à Paris, on a fait venir l'agent anglais qui s'occupe des concerts et il est revenu en janvier en disant bah, on a une trentaine de dates en Europe. Il était prévu de faire une date à Copenhague, on en a fait deux, et sold out comme le reste des dates. Et l'autre capitale très importante qui était Berlin avec un accueil là qui a été mais incroyable. On ne pouvait pas s'attendre à la fin de chaque concert à avoir des standing ovations, des gens, des salles bourrées comme ça, avec un public qui est présent tous les soirs et d'une manière extrêmement dynamique, enthousiaste. Ça, c'est l'entrée, mais c'est aussi la sortie de secours. On a les deux. Ici, c'est la cuisine. Très, très joli, très, très joli plan de travail pour les plats que nous fabriquons. Ça, c'est le frigidaire. Là, nous avons la salle de bain, cabinet de toilette. Et ensuite, nous avons les couchettes. Les couchettes, il y a toujours des gens qui dorment dedans. Alors, ça, c'est ma couchette, j'adore dormir dans le bus, en fait. C'est là où on dort le mieux.
ça berce. Il y a un côté 2001. Il y a un côté 2000 Odyssée de l'espace, il y a des astronautes. D'ailleurs, nous en avons un. Nous en avons un qui est en train de dormir. Alors, ici, nous avons le salon où nous passons le plus clair de notre temps. Ah, mais en plus, il s'accorde. Hein. Ça fait génial, il y a un tune. Attends, séance d'accordage d'abord. Il doit y avoir un moyen de mettre le niveau plus fort. Ça. Quand Oxygene est sorti, d'abord ça a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette musique, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux qui durent 10 minutes, les morceaux n'ont même pas de nom, ils s'appellent partie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me souviens que même ma mère m'a dit mais pourquoi t'appelles cette musique par un nom de gaz. Enfin, il y avait au départ rien qui... On était en pleine période punk et disco aussi, donc c'était totalement... c'était un ovni complet. La musique que nous venons donc d'entendre est de Jean-Michel Jarre. Avec quels instruments vous avez écrit cette musique ? Principalement avec deux synthétiseurs qui sont des sortes de, des instruments de musique électronique, qui sont des sortes d'orgues un peu compliquées. Quoi. Je crois que ce qui est très important, c'est d'arriver un petit peu à ordonner ce genre de son et que ça frappe plus la sensibilité des gens que leur esprit finalement, enfin, je pense. J'ai composé Oxygène en fait d'une manière qui était totalement marginale à l'époque et qui est devenue une manière de faire de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire chez moi, dans un contexte et dans un environnement qui préfigurait un petit peu le home studio. C'est-à-dire qu'à l'époque, la musique sérieuse, ça se faisait dans des studios sérieux, des studios professionnels, avec une cabine, un studio, des musiciens de l'autre côté de la vitre. Mais pour ce genre de musique, c'était impossible de travailler comme ça. Eh bien, je crois que ce que j'avais dans ma cuisine, qui était une cuisine désaffectée, et qui avait été refaite en studio, enfin, si on peut appeler ça studio, enfin, qui était bricolée acoustiquement, c'était un endroit dans lequel il y avait... au fond, très très peu d'instruments, il devait y avoir 4 ou 5 synthétiseurs. Je l'ai fait vraiment de manière totalement artisanale, avec une ou deux personnes qui étaient au courant, mais finalement, personne n'était au courant de ça. C'était un projet presque, un projet vraiment purement personnel. La pochette aussi, même le visuel avec le squelette et à l'intérieur, le crâne à l'intérieur de la terre, même si c'était un message écologique fort, c'était pas finalement quelque chose de très commercial. Il y a deux radios qui l'ont joué entièrement, qui étaient Europe 1 en France et Radio 1, qui est la radio référence en Angleterre. La musique a démarré comme ça, mais au fond très très vite à partir de l'Angleterre. Charlotte Rampling, qui est ma femme à l'époque, m'a dit « c'est tellement différent que ça sera ou rien du tout, ou un succès phénoménal, mais ce ne sera pas en milieu. » quoi. Et elle avait pas tort, ça risquait d'être rien du tout, puis finalement ça a été un succès, c'est vrai, assez phénoménal. Un disque d'or en Suisse, tu les sors en mesure. En Belgique, tiens, j'ai la Belgique. Un disque d'or en Belgique, un disque d'or en Allemagne. L'Allemagne, c'est super marché. Un disque d'or en Angleterre. En Angleterre, je vois l'Angleterre, je vois la Hollande. Un disque d'or en Hollande. Je t'annonce, hein. Dis donc, il faudra... Un disque d'or en France, c'est lui qui est en tête de tous les succès. Le Times de Londres consacre aujourd'hui sa page éditoriale à un artiste français, Jean-Michel Jarre. Je crois que là, on peut juste se taire et écouter la musique de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre et ses synthétiseurs. Son nom, Jarre, il est connu. Son prénom, Jean-Michel, il se l'est fait. Vente aux enchères, pas comme les autres. Demain, à l'hôtel Drouot, entre autres œuvres d'art, on mettra en vente un disque de Jean-Michel Jarre. En 83, j'ai l'idée de faire un album qui va être pressé à un seul exemplaire
est vendu aux enchères un peu comme une peinture, qui est qui s'appelle Musique pour supermarché. L'idée m'est venue vraiment totalement en protestation, en acte de protestation vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans l'industrie de la musique. On commençait à vendre la musique comme des biens consommables, c'est-à-dire comme un pot de yaourt, comme un tube dentifrice, dans les supermarchés. Et on a brûlé les matrices, donc c'était vraiment un seul exemplaire.